2006-2007, on m'a fait déclaration. Mon pays, la première précision, c'est que je n'ai pas bâti, voyager dans le point soin, et dans l'hôpital CDP, il y a des gens qui ont été voyager mal pour soin en France, je retourner en Haïti, ma vie en Haïti. Professeur, ma lycée, et ma fonction dans la police comme inspecteur général, je n'ai fait l'objet d'aucune sanction. D'accord, d'aucune sanction généralement quelconque. Donc, carrière, par exemple, une coupure là-dedans. OK? Donc, il fait silence. Bon. Ça fait longtemps que l'ancien député, Anel Bélizer, a mis sur Radio Pal partout. Son rêve, moi, et pour monsieur, c'est que monsieur a un dos, mais il ne parle pas de moi. Bah, je m'occupe. Bah, je m'entendais, parce que je connais, ça fait partie de machination et guénègue. Éventuellement, peut-être, qui idéal, dès qu'il a arrêté, dès qu'il connaît mes dossiers sous lui, parce que je me dis, c'est que j'ai fait le travail, moi, il a donné cette persécution. Et pour me retourner avant, je me suis dit, bon, réponse, sur sa gare, je me suis dit, je suis un jeune garçon, et dans une époque, ça n'a pas de jours, je tout à mes abdos là, tout, on est fait Google, mais qu'il y a Lucie, c'est pour après tout le bagage, je n'ai pas besoin de parler d'un dossier qui passait, etc., qui me prend balle pour lui, me fait des attentats pour lui, il dit fou, dans le pays, je ne vais pas faire une femme, toujours professeur. Parce que professeur de mathématiques, ça me fait pour vivre avec enseignant. Tantôt, je fais pour l'université, tantôt, je fais pour le lycée, et ça me fait pour vivre. D'accord? Donc, je ne vais pas parler. Dans le pays, je ne vais pas. D'abord, je vis à tellement de gens, je ne vais pas en guerre. Ok. Si tu me fais vivre en exil, oui, famille en exil. Je vais mon résidence. 10 ans, mon maître. Moi, maintenant, après, je me suis pris en balle en 2007. Je me suis dit, pas quitter le pays, ça, pour voir grave. Ok. Je me suis pris en balle, je me suis dit, je me suis caché dans le balle. Tout le monde a une sécurité, il faut que je me propose pour le pays. Bon, bref. Mon cher, bon, monsieur Gauthier, c'est dit, Adèle Badonnet à l'air. Je vous voulais un personnel à l'air parce que le 14 octobre 2004, après le départ du président d'Haïti. D'abord, on est sur le territoire national de l'Haïti. Je ne connais pas les CPJ qui a fonctionné avec nous tous. Envers d'olive, des machines blindées, garçons qui ont fonctionné pour l'âme lourdement. Je ne sais pas si on est de côté de notre CPJ. Je me dis que travaillé dans la primature, la récupérer des machines volées pour la primature. Ça fait très bon travail. Mon cher, au dimanche, je ne me suis pas trompé, c'était le 14 novembre, donc c'était le 14 octobre 2006. 2004, et puis une grande information que les médecins vont tuer zone la boule. Dans le CPJ, une grande équipe enquêteur me courir sous les lieux. Les mis sous les lieux, c'est l'équipe, monsieur, loup de marmé, allait à l'intention, qui a monté sous mouton, sous la boule. Entre temps, en descendant de la boule vers Pétionville, je fais croisement avec un nez qui sont volant machine. Donc, machine, en arrêté à bord de deux machines qui étaient sous le chapmel. Plus de marbre. C'est pour ça que c'est comme machine, et non plus dans le pays, comme ça, et en plus de pied. Ok? C'est pour ça que c'est dans le pays. Donc, l'embarque est sous les yeux d'enquête, et puis, quand il y a des voisins, il dit que y a un monsieur qui fait feu sur le nez qui est descendu, parce que il y a des discussions, il y a un protège par l'image des machines pour ne pas le passer. Machine n'a pas vu le passé, et puis j'ai ouvert cartouche sur là. Ces nègres-là, c'était un ancien policier, ou bien c'est un policier, ancien militaire, qui était affecté dans la sécurité d'Anitus. Mais il a dit, nous n'avons pas de balle. Et puis, je courais descendre l'hôpital. Là, les grandes indications de l'hôpital Canapé Vert, je courais l'hôpital Canapé Vert. Même j'ai l'hôpital Canapé Vert, et j'ai trouvé le monsieur sous civière dans la salle d'urgence. Comme des CPJ enquêteurs, fait première audition, etc. Je me suis dit non, etc. Il faut m'expliquer que c'est bien la passer. Je me suis dit, bon, pas un problème, on va prendre soin. Mais en attendant, je me mets plutôt sous contrôle la police. Okay. C'est ainsi que le monsieur a été placé sous contrôle la police avec des policiers. Et mais notez, parce que sous contrôle la police, on se frontille, on prend balle. On prend balle, on va prendre soin. On me soigne, on même sous bol, même tout ça. Donc, pas de problème. Maintenant, les CPJ, je suis là, je m'en vais attendre. On va plus noter. Donc, on va plus noter pour que des policiers capturent pour. Prends soin. C'est ainsi que l'hôpital est canapé vert, peut-être que dans 8 ou 15 jours, prends soin, et puis après, prends soin, et puis à tel point, puis tu en vis. Qui est-ce? Anel toujours? Anel de l'île. Ok. Depuis que tu en vis du temps, maintenant, des CPJ fait le ciel, ils voyaient
3 heures, alors qu'il n'y a pas de DCPJ, il y a de DCPJ le 4, le 4 novembre 2004, après 8 mois, et le 25, le 25 et le 29 février 2007, à 3h de l'après-midi, il y a un raid qui fait sur le pénitencier national. J'ai tout le temps de chaîne garçon, pas ton histoire. Il y a un raid qui fait sur le pénitencier national, policier mourit, détenu mourit, et allait sauver notre prison avec sa malade. Donc, nous, je suis venu plus avec la main, hein? Bon, pas de CPJ, je ne serai pas encore côté. Maintenant, moi, je suis tourné de CPJ en deuxième fois, en juin, de le 25 juin, je crois, 2000, le 3 juin 2005. Je suis tourné de CPJ, comme deuxième fois contre le CPJ. C'est ainsi, avec collaboration de la police dominicaine, stop. Et. Monsieur, de toutes les formations avec ma collaboration avec la police dominicaine, qui est un fugitif qui n'a pas dans la République dominicaine. C'est ainsi, la collaboration pour la police, elle a été interpellée, et la dominicaine à l'époque, comme mon rapport, qui était pour son bon machin de police dominicaine, il y avait eu le temps, moi, comme DCP, j'ai dit, moi, ça n'a rien de souci. Donc, elle était, qui s'en est à moi. Mais c'est ça, monsieur a amusé la victime, des kidnappeurs, mon cher monsieur. Monsieur le juge, est-ce que c'est vrai, et information que tu es arrivé joindre, que Anel t'a partagé tout, tu es grand avec les achoux, que c'est monsieur Tébaye l'autre pour t'attouiller directeur, il dit qu'il peut jusqu'à maintenant, je vais mettre monsieur dans la pénitentiaire nationale sans qu'il ne parle pas arriver juste. Moi, je vais laisse-moi te dire, ce dossier, c'est moi qui ai été là même. Ok. Moi qui ai été ça. Moi, c'est une histoire, vous voulez un petit jeune garçon. Non, je suis vraiment jeune. Mon mari a été enlevé telle date, telle date. J'ai expliqué ma carrière au téléphone, j'ai dit à madame, écoutez-moi, rentrez au pays. Je vous donnerai justice. Madame Notre, nous jouons une maladie de CPJ. Nous faisons une déclaration dans le bureau et affaires criminelles. Et puis madame, nous avons garanti après un monde qui tue ma roue. C'est ici, je me cherche. Et puis, dans le cas où je mange, je suis en rara. Et puis, je me suspecte que je suis en train de me rara. Et puis, il fait débarquer dans un bon équipe, oui, à l'époque. Ok. Et même quand il fait témoignage, il va chercher madame. Madame à l'époque. Parce que je ne vais pas téléphoner. Je parle dans la vision des mines à l'époque. Je pense que les maris sont dans le fond. Rappelle pour moi, madame Zad. Si madame Zad, c'est déjà arrêté, mais qui est au mari. Fait que madame dans le CPJ, avec les commissaires de la CPJ, tout le monde est réuni. Et puis, je vais filmer l'audition. Je me suis demandé, madame, pardon, madame, quelqu'un dans le chapelle, nous pas dans le chapelle. Bon, c'est pas la première fois. Sans pas qu'être une fois. Ok, donc, on pose la question. Est-ce que tu as un problème avec, au problème personnel, toi, avec Claudie Gassin? Jamais de ma vie. Et le problème qu'il y a eu à l'époque, c'est un problème qu'il y a eu avec le juge. Le juge de l'époque, j'ai demandé, parce que ça a été un vaste complot, j'ai demandé à ce que le juge soit décidé de l'affaire. Okay. Et c'est-à-dire que le conflit commence là, c'est tout, Michael, c'est ça, l'époque, conflit. Mettez-moi que je m'intéresse à ce sujet. Maintenant, le commissaire du gouvernement, à l'époque, il doit son rôle de commissaire du gouvernement, prenait fait cause du côté du juge.
Et puis là, il y a un conflit de Mikael, la place. Il y a Mikael qui est candidat. Mais mon cher, je vais vous dire ce soir. Ça va nous faire ça. Pourquoi on parle de candidat mal dans la vie? Pourquoi on peut compter avec la vie pour faire une menace? Donc, tout ce qu'on fait, nous, pour ça fait partie de la machination. Parce que dans ce pays, ils ont peur de la vérité. Ils ont peur de la compétence. Ils ont peur de l'intégrité. Ils ont peur des enquêtes. Et ça, c'est le problème. Ça, le gouvernement, maintenant, il y a. Maintenant, puis hier, nous devons mettre en résidence. Ma petite troisième fois, je vais mettre en résidence de 12 ans en France. Mes enfants vivent en France depuis 12 ans en exil. Et sous, le, sous la protection du gouvernement, parce que ça va s'assassiner. Okay. Mais 12 ans en exil. J'étais au pays, j'en fais nulle part, mal pour le chèque, je parle de ma affectation. Pour une raison, mal pour le chèque, mon chat. Ça veut dire, si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, monsieur Lissius, vous êtes toujours. Et membre de la police nationale. Je suis inspecteur général de la police. D'accord. Je suis inspecteur général. J'ai poursuivi des carrières. J'ai laissé l'éducation à l'époque. J'étais fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale et professeur ministre. J'ai laissé l'éducation nationale. J'ai laissé et d'autres collègues pour que j'avais à l'époque. Ça, j'ai choisi la profession. C'était un choix de ma vie. Okay. Je suis un avocat, je suis membre du barreau. C'est-à-dire, si je ne me trompe pas, vous n'êtes pas responsable des renseignements généraux de la police nationale. Maintenant, écoutez, j'ai été affecté au bureau du directeur, okay. Du directeur général. J'ai été pendant 2 ans chargé de la question du traitement des dossiers des armes à feu au directeur général. Okay. Mais quand je vais comprendre que DRI, il m'a fait 2 fois. Le directeur de renseignements généraux déjà. Okay. En 2000, même qu'il est décédé en 2004, sous Léon Charles Mal, directeur des renseignements généraux. Okay. C'est le directeur des renseignements généraux, je vais retourner dans la DCPJ encore. Ah, donc, okay. Il y a eu peut-être 2 mois avant le départ du directeur Gédéon, il y a eu un vide au niveau de la DRG, et DRG est un bureau qui est en construction. Donc, le directeur général m'avait demandé d'aller l'aider à construire ce bureau. Okay. Comme de fait, dès que mon arrivée, j'ai fait les directives, la restructuration, tout ça. Donc, ça, c'est ça. Maintenant, le nouveau directeur général qui est arrivé, qui est là présentement, m'a transféré de mon poste à la direction générale. Comme dans le même statut en été. Donc, je suis encore toujours policier. Et j'avais choisi, c'est une profession. Okay. C'est moi qui ai choisi. C'est pas, j'étais pas dans l'obligation d'être une police lorsque j'avais choisi de me faire admettre au niveau de la police. J'ai eu des fonctions au niveau de l'État. Professeur de l'État et pour fonctionner de l'éducation. J'ai choisi parce que j'avais jugé là, il y a un but à accomplir. Là, je vais rendre service au pays. Et le choix m'a fait souffrir, mon frère. Tout le monde, je prenais devant tout jusqu'à la cour de cassation. D'abord, le soleil qui fait jurisprudence dans ce pays. Ok. Jusqu'à la cour de cassation de bataille, toute vie ma bataille. Et j'ai choisi de rester au pays, mon frère. Nous sommes qui, à ma enfance, m'étudier, pas chambre en France, mais mes enfants vivent en France en exil jusqu'à avec statut de réfugié. Ok. Pendant 12 ans, je suis parti le 16 septembre. Le 16 septembre 2006. Ok. Ils ont 13 ans. Moi, j'ai toujours voyagé, allez voir petit loin, m'étudier à l'université en France, m'aider ici, je ne fais pas. Ok. Même étudiant présentiel, c'est-à-dire pour être dans l'université, pour faire trois mois en France. Même si on pourrait être présentiel, je prends quoi? Monter ma pétudie ici. C'est une étude universitaire. En face, c'est une base. Puisque, pas vraiment de activité, seulement mettre là comme inspecteur général, je reçois comme un nombre de personnes. Et pour vous dire, mon frère. Ok. Même si c'est comme ça qu'on chance. Okay. Pas qu'à 20 journées qui seulement fait travail. Moi, je me dis, ma personne. Ok. Et si je me dis, je ne vais pas me dire, ma personne. Tu Okay. Et ça, c'est une de mes précisions de mes résultats. Peut-être la dernière, bah, tout ce n'est pas pour aller sur la règle de l'hiver, capter ça, le monde, tout le monde, etc., comme bon lui sens. Telle impunité, qu'il en jouisse et qu'il en bénéficie, qu'il continue à en bénéficier. Telle impunité, dans ce pays. Merci, et M. Lissius.
Ben, vous demandez ça, moi, je dois te répondre. Mais ça, c'est une réforme, mais malheureusement, le patron a tout dit, bon, pour dire, bon, moi, je suis sorti les poches quand même, parce que... Mais, Anne, elle a pris les mains encore, tout. Vous avez pris les mains encore. Ça veut dire, vous voulez que nous mettions tous les deux sous les mains, non, ça va pas me déranger. Non, ça va me déranger, non. Ok. Anne, elle va et monsieur Lissis dit, pas me déranger, moi, t'as pris les mains, ou carré les nous, pour ne pas bon. Anne, elle est là, nous mettons tous les deux sous les mains ensemble, là. Bon, Anna Belizien. Mais non. Ou souligne, et puis nous gagnons monsieur Lissius qui souligne tout. Monsieur Michael Lissius, Arnel Belizien joue. N'a quitté arrêté de jouer cette main. Moi, son guerrier. Ou son comploteur. Mon database dans mon gain tout. Mais c'est toute carrière. Je travaille pour direction sur l'enseignement de la Caraïbe. Je fais drogue, je fais kidnapping, je fais viol. Mon seul défaut, c'est pour ne pas faire un choix pour me faire un gars qui est en 6-12-12-6. Première attaque que nous avons, moi seul, dans la crise de Michel, en 2004, l'OTV a été administrateur du Parlement haïtien. Moi, au côté, je dis mon cher Gonzaguem, son serviteur, la valasse pas jamais fait mal. Ma prénom pays, je tourne, je dis au chef. Si je n'ai pas menti de mes yeux, je ne peux pas utiliser poste pour occuper à vous faire voir tout. Pour inviter mon bureau au Mali. Comme dans les spéculés, beaucoup j'aime mon machine neuf dans la ville. Je rentre dans le palais national le 3 mars 1988 à date. Moi, qu'on lit bien, bouche de l'État haïtien pendant 2 fois, bouche du gouvernement en quoi. Comme dans le fond approche, même qu'on a chute, madame moi, c'est la nièce de Colin Powell, vous imaginez Powell. Diamond dit une fois, est-ce que j'aime un rapport de FBI, de CIA, qui dit moi, en prison, que je devrais dossier de moi. On fait bon travail après pendant après ma parole. Bon, et limité, j'aime bien votre balaro, parce que vous pouvez dire ça fait ça. C'est pas méchant. Nous détruisons déjà. Avant que nous connaissons, nous avons balle, nous persécutons, papa dit que nous prenons ça me fait ça. La France, on va mitiger la violence. Je ne réponds pas à la violence par la violence. Je ne réponds pas à la haine par la haine. Je ne réponds pas à la calomnie par la calomnie. Je crois en la justice divine. Je ne crois pas dans la justice humaine, mon frère. Parce que si pas de la justice divine, pas de plat. Où qu'on ça? Où qu'on ces méchants histoires? Où qu'on ça? Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je me trouvais, je m'assieds pendant la période de méchanceté, de calomnie, d'injustice. Et moi, je trouve qu'elle fait référence, n'était pas le premier
qui a fait ça. Et tout à l'époque, c'est chaque bandit m'a arrêté, nous faisons parler contre moi parce que sous prétexte que nous sommes en face de la ministère, nous avons dénoncé parce que nous avons trouvé. Alors que, comme vous, nous avons fait une histoire. Je vais faire une histoire, surtout pour nous faire parler parce que nous avons fait des tard pour nous faire parler. Je suis fils d'un juge. Ma chambre dénoncée, je suis un ministère, je n'avais pas compris. Je suis fils d'un juge. Papa me fait 25 ans comme juge. Tout ça, dans moi, comme l'honnêteté, comme une loyauté, comme la justice. Et ça, c'est mon point. Ça veut dire que je vais mettre un carton de sac à faire, je vais mettre un sécurité sur le monde, je vais mettre un droit, je vais mettre un droit. Je vais mettre un droit. Je ne vais pas me donner mon droit. Je vais bluff. Et vous faites un acte, c'est fini. On ne peut pas faire un pays, on ne peut pas faire tout le monde dans mon pays. C'est la petite petite nous. Vous êtes député, sans quitter vos petits nous. Ça va quitter pour eux. Si nous tous proposons dans le pays, nous avons des armes, nous avons des armes, nous ne pas arrêter, nous ne pas tuer quelqu'un, nous sommes arrêtés. Là, vous êtes député, vous êtes député. Et de légiférer, c'est faire les lois. C'est protéger une société. Si on est donné à aucun pour un député, on n'est pas prêt de m'appuyer d'être mon signe de fond. Non, on passe. Souvent, on est petit. Mais même j'aimerais me dire qu'il ne va pas devant un juge, il m'a tué. Et puis, quand il me fait, je ne vais pas me parler, je ne vais pas me parler. Et quand il me fait, je ne vais pas me parler. Je dis une fou, je dis où ça, c'est pour un smart fou. Bon, je dis ce soir, je vous ai dit. Ça a été une coupe à monter contre moi des vitesses, mais en ayant encore un pays à défaut d'une pas pouvoir m'attendre. Donc, on est dit. C'est pas une méchanceté même. Ça finit pas, ça passe. Si on a de la vérité, monter sur réseau, monter sous contrôle, comme vous dites, ou donner mon filet des événements, éventuellement, des questions contre moi parce qu'à l'époque, vous dites, vous dites, vous finissez en fait, etc. Comme l'autre qui m'avait attiré, tu connais bien l'histoire. Ça va souvent aller, vous l'avez fait méchanceté. Même nous, on est là, on parle des mondes. Mais pourquoi tu m'as dit là? Moi, les Michael, Lucie, c'est l'homme. Lucie, c'est l'homme, on fait un petit paysan. Bah, je me fais politique. Je ne sais pas si je suis un ami, je ne sais pas si je suis un job dans la vie. Moi, je suis dans la police, je ne parle pas de concours. Je suis un jeune, je suis un bourriste sans sens politique, je suis un concours. Je suis un lauréat, je suis un lauréat, je n'ai encore pas concours dans le café à l'époque. J'ai gravé tous les riches, non. Je fais 13 ans, je ne sais pas si je fonctionne dans le pays. Je suis un peu mal quand je suis un peu mal. Et ma vie m'a fait tout. Je suis un silence, j'ai vu. Je connais quand même plus de temps, je ne sais pas si je suis un peu mal. Je ne sais pas si je suis Suspend la vie de pas de barba, pas de méchanceté. Monsieur Izzy, ok? Moi-même, il va nous finir. Quand on a son élève, vous êtes sur deux montées, sur deux mêmes parfois. D'accord, on va faire ta côte. Monsieur Izzy, d'accord? Monsieur Izzy, oui, bien. Nous voulons faire un... Non, mais même... Nous voulons conclure. Je vais demander à Anel Belize à nous conclure. Non, mais Je vais demander à Anel. Et quel que soit quand on s'est guerre pour nous vider, pour nous faire la paix, pour nous mettre les têtes ensemble, pour nous retirer le pays dans l'état qu'il est là. Non, laisse-moi dire, nous sommes techniciens. Nous connaissons les techniciens, nous ne pouvons pas nous faire. Mais rien dans la chaîne, c'est pour nous faire une chance. Et notre cabinet qui n'a pas le droit de nous faire. Là, on veut que nous n'avons pas fait ça, parce qu'il y a la démenti. Là, on veut que nous n'avons pas l'église de nous diriger. Nous sommes là, 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 nous. Alors c'est un jeu pour le pays, mais ça, ce pays a perdu, et moi garanti, mille fois, le pays a perdu. Ça nous fait mal, le pays a perdu, pas les autres pays. On n'a qu'à le pays, c'est pas moins, on n'a fait rien, parce que va pas dire rien. Allez, si tu es pour le pays. Ok, frère. Moi-même, allez, je vous jette. Pas grand-là, vous-même. Tandis, on fait mes chances, c'est pour ça, mon cher. C'est une question de problème personnel, moi je suis un nationaliste. Mais tu n'as qu'à ça, on va dans le bâton, mais là, ça ne me dit pas pour nous, frère. On n'a qu'à ça.